Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien. On va faire la vidéo pour la semaine du 15 au 21. Donc voilà, on va prendre quelques cartes du jeu de loi d'attraction. C'est du 15 au 21. Je regarde, je vérifie mon calendrier. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Une carte. Alors j'ai envie que vous voyez un peu plus la table et moins moi. Pour moi, c'est pas grave que vous me voyez. Allez, on continue, on va prendre trois cartes du jeu de loi d'attraction. Voilà. Trois cartes du jeu de loi d'attraction. Bon, bah, je vais prendre la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, j'ai toujours l'archange Métatron qui est avec nous cette semaine. Alors, le mois de mars, c'est le mois des guerriers. D'accord? Donc, voilà. On est en plein mois de mars. Donc, c'est les guerriers. Ce sont les guerriers, pardon. Et je vais prendre trois cartes. Donc, une troisième, s'il vous plaît, qui est restée dans ma main, qui était un peu tordue. Une carte des créatures mythiques et légendaires. La 3. 1, 2, 3. Ok. Et on va déjà regarder ce tirage. Alors, on a cette semaine, les synchronicités, je suis ouvert à tout ce qui vient, à tout ce qui arrive. Vous allez vivre très certainement des synchronicités, des choses qui vont se passer. Voilà, donc synchronicité. Mais pourquoi vous avez des synchronicités? Ben parce que vous vous engagez aussi. Je m'engage et j'agis. Quand on s'engage, eh bien, on agit pour on se met en action. Quand on s'engage et qu'on agit, quand on agit, on se met en action. Quand on se met en action, on envoie à l'univers des choses et l'univers nous répond. Il nous répond comment? L'univers avec des engagements. D'accord? Je vais mettre les cartes là parce que si je les mets trop haut, ben vous ne les voyez pas. J'ai baissé la caméra pour que vous voyez. Et on a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc certainement que pour certains d'entre vous et d'entre nous, puisque je me mets dedans, on va s'engager et agir, on va passer à l'action, on va se mettre, il va y avoir des synchronicités et ça va être la fin de quelque chose et le début de quelque chose. N'oubliez pas que la vie est en mouvement constant. Et quand la vie est en mouvement constant, alors des fois, il y a des fois, ça arrive, il ne se passe rien, c'est plat, il n'y a rien. Ça arrive, je connais des gens qui me disent, ouais, mais moi, en fait, ça, il n'y a rien, il ne se passe rien. Et je leur dis, ben, faites rien, puisqu'il ne se passe rien, attendez, vous allez voir, peut-être que. Et après, je leur dis, parce que des fois, moi, c'est ce que j'ai eu fait. Quand il ne se passait rien, je décidais de rien décider. Ben, il ne se passe rien, tu décides de rien décider. Par contre, tu peux avoir, pendant que tu sais ce temps de pause, si il ne se passe rien, c'est que tu dois peut-être prendre un temps de pause pour te mettre à la réflexion, réfléchir à comment du pourquoi. À comment tu vas peut-être envisager un nouveau quelque chose, un nouveau départ, un nouveau travail, une renaissance, etc. Eh bien, là, quand tu vas passer à l'action, c'est là où justement, tu vas enfin te mettre en pause, tu vas réfléchir, et quand tu vas te mettre à l'action, tu vas avoir des synchronicités, et tu vas finir un cycle et débuter un nouveau cycle. Voilà. Alors, on a parfois des obstacles. Les obstacles, eh bien, c'est peut-être quand il ne se passe rien, ou qu'il se passe toujours des choses, tu ne sais pas ce qui se passe, d'accord? Eh bien, là, on va les surmonter, les obstacles. Pourquoi on va les surmonter? Parce qu'on a confiance en nous, on a confiance en soi, donc on va pouvoir surmonter les obstacles. Mais les obstacles, ce sont un peu comme les...
les échecs, hein, les obstacles, ils sont là pour nous faire grandir. Un obstacle n'est pas insurmontable, d'accord ? Donc, on a confiance en nous, on va les surmonter. Et quand on aura, quand on se sera engagé, qu'on aura eu les synchronicités, qu'on aura terminé quelque chose, qu'on aura dépassé les obstacles, qu'on aura grandi avec la confiance, eh bien, on sera en harmonie, on aura retrouvé quelque chose de nouveau, ça sera l'harmonie pour nous. Et on a le ratatosque, excusez-moi, le ratatox, tosque, le ratatosque. Je suis désolée. Voilà. Alors, cet écureuil, issu d'un mythe scandinave, est rancunier et colporte les commérages. Évite de transmettre des rumeurs ou des commérages. Reste droit et juste. Réfléchis avant de parler et vérifie que tu ne vas pas faire... Non, pardon. Et vérifie que tu ne vas faire... de tort à personne. On te dit de mettre en garde par rapport peut-être à une situation, d'accord ? Donc, tu dois t'engager et agir. La synchronicité vont arriver vers des signes. Hein. Les synchronicités, ce sont les signes. Ça va être le signe que c'est la fin de quelque chose. Il va y avoir des obstacles et que tu vas avoir confiance en toi. Ça va être l'harmonie, d'accord ? Mais tu dois éviter de répéter et colporter des rumeurs, d'accord ? Réfléchis avant de parler et vérifie que tu ne vas faire de tort à personne. Alors, on nous met en garde par rapport à quelque chose, d'accord ? Donc, je vais continuer cette vidéo en prenant... je voulais faire un tirage aussi sentimental, ajouter... Parce que quand on a l'engagement, la synchronicité et la fin de quelque chose, on s'attend quand même... peut-être à quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Pour ceux qui sont seuls ou accompagnés, remettre du piment dans votre vie. Je ne vais pas faire couple ou célibataire, je vais faire général. Je vais prendre deux cartes et je vais recouvrir avec... Alors, je vais prendre deux cartes et je vais recouvrir avec... Non, ça fait beaucoup. Avec l'oracle des symboles de vie. Alors, j'entends qu'il y en a certains qui sont fatigués. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau sentimental ou en général. D'accord ? Donc, il y a des personnes qui sont fatiguées au niveau sentimental, puisqu'on est dans le sentimental. Mais fatiguées peut-être d'une situation sentimentale, effectivement. Voilà, fatiguées d'une situation sentimentale. Alors, est-ce que je prends deux cartes, la 8 et la 13 ? 8, 13 et 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors... on a, pour les amoureux, certains, vous devez avoir une conversation cœur à cœur, mettre tout à plat sur la table. Hein. C'est peut-être ça qui vous fatigue, de toujours tourner autour du pot et de jamais parler des sujets. Peut-être que certains, vous avez peur de parler des sujets qui fâchent, mais au bout d'un moment, des fois, il faut vraiment parler cœur à cœur, soit dire vraiment vos sentiments pour la personne, soit parler de choses, peut-être aussi pour les familles recomposées, par rapport aux enfants, ça ne vous plaît pas comment votre conjoint ou votre conjointe s'occupe des enfants, peut-être aussi c'est un cas, une situation difficile de parler de ça. Mais... quand on parle cœur à cœur, on peut que s'entendre et c'est on passe à l'action. Parce que si on laisse faire, on laisse faire, on laisse faire, on dit rien, quelque part, c'est pas bon. Et le jour où ça va péter, je veux dire, ça va péter. Donc, pensez toujours en couple à vous parler, cœur à cœur. Même les célibataires, si vous avez en vue quelqu'un, n'hésitez pas d'aller le voir pour lui dire
Écoute, moi, j'ai envie de peut-être sortir avec toi ou j'ai envie peut-être qu'on ait une relation plus sérieuse. Voilà, les histoires d'un soir, c'est bon, quoi. Peut-être que ça peut être ça. On vous parle aussi de vous aimer d'abord. Hein, quand on ne s'aime pas, quand on a du mal à s'apprécier, quand on se déprécie, hein, c'est du mot dépression, eh bien, on n'avance pas. Donc, il faut d'abord s'aimer. Pour pouvoir d'ailleurs avoir assez confiance en soi, hein, je reprends les cartes que j'ai tirées auparavant, quand on s'aime d'abord, on a confiance en soi pour pouvoir passer à l'action et discuter à cœur ouvert. Alors, ça va déclencher une fin de cycle et un nouveau cycle. Faut pas avoir peur de la fin des cycles. La fin des cycles, c'est peut-être justement démarrer quelque chose, peut-être que vous ne vous étiez jamais parlé cœur à cœur et que là, il serait peut-être temps de vous ouvrir complètement. Et oui, on te parle de renouveau. Cette histoire de conversation va peut-être t'amener le renouveau, d'accord? Le printemps, c'est le renouveau. Ça va être une renaissance dans ton couple. Ça va être une renaissance, un nouveau départ, très certainement, pour si tu es célibataire, que tu avais un copain, mais qui n'était pas vraiment ton copain. Vous savez, des fois, on a des relations avec des gens, on n'a pas envie de s'engager, et puis là, tu as envie quand même que tu te dis, mince, il faudrait peut-être qu'il s'engage, le garçon. Eh bien, c'est quelque chose de nouveau. Le renouveau va arriver pour les couples et les célibataires, ou les célibataires qui sont plus ou moins pas en couple. Mais ça peut aussi, les conversations cœur à cœur, il y a aussi certains couples qui vont se séparer. Parce qu'ils sont dans une spirale où il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a que des obstacles, d'accord? Il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de confiance. Et donc, je suis désolée pour cela, mais ça va vous amener un mal pour un bien. Quelque part, c'est vrai que quand on se sépare, c'est triste, ok? Mais c'est un mal pour un bien. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, ça a été une renaissance pour moi. Et ça a été le début de mon évolution. Ça a été, voilà, avec la personne avec qui j'étais avant, j'étais tirée vers le bas alors que moi, je voulais évoluer. Et avec cette personne, je savais que je ne pouvais pas évoluer. Donc, vous allez remettre toutes ces cartes dans l'ordre à votre situation. Moi, je ne suis pas dans votre situation et je ne suis pas, c'est surtout, c'est pas personnalisé, hein, c'est général. Donc, c'est pour la semaine du 15 au 21. On a l'engagement. Je m'engage et j'agis. Donc, je crée la loi d'attraction, je crée des actions. Donc, j'envoie à l'univers des choses et ça va envoyer des signes. L'univers va te répondre avec des signes. Ensuite, tu as la fin de quelque chose ou le début de quelque chose, le début, je dirais, d'un renouveau. On te dit de faire attention à peut-être pas colporter des choses, alors peut-être que c'est au niveau sentimental, hein, d'accord? Peut-être que arrêtez de parler à vos copines ou vos meilleures amies de votre situation de couple, allez directement plutôt voir votre conjoint pour discuter directement de vive voix. Ensuite, on a quand même. Les obstacles vont être surmontés hein, quand même quelque part. Et puis pour certains, il va y avoir des échecs. Mais l'échec fait partie de la vie. Ça, c'est une prise de conscience, l'échec. C'est pas dramatique. Il y a quand même dans l'échec, il y a une évolution. Quand tu auras surmonté cet échec, tu te rendras compte qu'en fait, avec la personne avec qui tu étais, tu n'aurais pas pu évoluer, tu n'aurais pas pu avancer. J'ai des situations comme ça dans les guidances, quand j'ai des gens au téléphone qui me disent, moi, je suis là, et puis lui, il est là. C'est-à-dire au niveau spirituel, au niveau de la situation actuelle, par exemple, ils sont plus sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui veut se faire vacciner, l'autre qui veut pas. Tu vois, où il y en a un qui est dans la spiritualité et l'autre qui est complètement terre à terre. Donc il y a un décalage et quand il y a ce décalage, là c'est foutu. Au niveau sentimental, c'est plus bon. Et on va prendre une dernière petite carte des anges. Ah, non mais là, il y a tout qui s'est tourné. Alors on se calme. Tiens d'ailleurs, je vais prendre une carte de l'oracle. L'archange Michael pour la spiritualité.
Voilà. Oups. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. J'ai du mal aujourd'hui. Et là, on me dit de choisir. Alors, on me dit de choisir. Je vais prendre celle-là. D'accord ? Que je vais mettre là. Tu la vois, elle est là. Hein ? Et ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael. Si on veut bien me la donner. Et voilà. Alors, l'archange Michael protège tous les couples, protège toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est ce qu'on me dit. Et là, je vous regarde là, la carte des anges. C'est potentiel créatif. Je vous la lis de suite. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, vous avez un potentiel créatif. Il est temps de l'exprimer. Et on a portail de lumière. Donc, cette semaine, on t'encourage à t'engager, à agir pour créer une fin de cycle, un début, un nouveau départ. Le printemps amène le nouveau départ. Parlez-vous, au lieu de plutôt raconter des ragots, parlez-vous cœur à cœur, au lieu de raconter des ragots. Il va y avoir une évolution. Les obstacles vont être surmontés, d'accord ? Parce qu'on te parle du portail de lumière. Ayez confiance en vous. Le doute ne doit pas subsister en votre cœur. La lumière est sur votre chemin. Le portail de lumière est l'identité de votre âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente. Donc en fait, plongez dans la lumière. Ne voyez que le positif dans toutes les situations que je viens de vous décrire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'oublie pas que tu peux liker, partager et commenter cette vidéo. Tu peux, si tu veux, je vais mettre sous ma vidéo, tu peux avoir une vidéo personnalisée sur le thème de ton choix, professionnel, sentimental ou même général. C'est une vidéo qui dure environ 20-25 minutes. Ça dépend le thème que tu me demandes, les cartes qui vont sortir. Et donc, vous pouvez avoir cette prestation. Je vais mettre ça sous ma vidéo. Et puis, tu peux visiter aussi, bien sûr, mon site où je fais je propose les contacts défunts, je propose plusieurs guidances, guidances célestes, guidances avec les oracles, avec moi au téléphone, et puis la fameuse vidéo personnalisée, donc que je vais mettre sous cette vidéo. Merci beaucoup, bonne semaine, et je te dis à très vite.